Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto, comme d'habitude chaque mois sur la chaîne The Fisher Channel, je vous fais deux tutos. D'ailleurs je vous invite à aller voir directement sur notre chaîne YouTube, vous tapez The Fisher Channel ou vous tapez The Fisher Box, vous tomberez sur notre chaîne YouTube et vous avez une petite playlist qui s'appelle le tuto de Fisher Box où vous avez tous les tutos, vous avez des tutos sur des catégories de leurres, sur des animations. En gros voilà, j'essaie de vous faire un petit peu tout, enfin en tout cas tout ce que je connais, tout ce que je maîtrise à peu près pour pouvoir vous le transmettre, en tout cas vous en parler. Aujourd'hui on va faire un tuto encore sur une animation. Je vous avais déjà fait le Jerbait et le Twitch. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs je vous les mettrai en fiche au-dessus si vous voulez aller voir. Et donc là on va faire ce qu'on appelle l'animation en Dancy, je pense une animation un peu basique qu'on doit maîtriser au début. Vous allez voir, rien de très compliqué, ça va aller très rapidement. Par contre comme d'habitude je vous invite à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous plaît, un commentaire si vous avez une question, une amélioration ou tout ce que vous voulez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au niveau de l'animation, vous allez voir, ça porte bien son nom, Dancy. Bah, tout simplement, c'est comme une Dancy. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez monter, vous allez descendre. Donc là, j'ai un magnifique petit leurre souple, qui d'ailleurs provient de chez Scarna Fishing. Tout simplement, on va lancer, laisser descendre notre leurre sur le fond. Et donc là, la première animation, je vais la montrer au moulinet. Au moulinet, vous allez voir, c'est tout bête. Donc là, mon leurre a touché le fond, mon fil est détendu. Je vais mouliner, le leurre va décoller. J'arrête, le leurre va redescendre. Bien garder votre fil tendu à la descente, parce que vous allez souvent prendre des touches à la descente. Là, hop, je remouline, mon leurre remonte. Là, on relaisse descendre. Là, on voit, hop, ma bannière, hop, vient de se détendre, vient de toucher le fond. On remouline, le leurre remonte. Et en fait, à chaque fois que je mouline, le leurre va remonter dans la couche d'eau. Et à chaque fois que je lâche, le leurre va redescendre dans la couche d'eau. Tout simple, tout bête, rien de très compliqué. Donc ça, c'est la version la plus simple que vous pouvez faire directement avec le moulinet. Ensuite, la deuxième version, c'est la même chose, mais avec la canne. Vous allez voir, on fait notre lancer. On tend notre ligne, on laisse le leurre descendre. On attend que notre bannière se détende, ma bannière s'est détendue, mon leurre est posé sur le fond. Et donc là ensuite, je monte ma canne, là mon leurre monte. Pendant que mon leurre descend, je récupère ma bannière. Et hop, je remets une tirée, mon leurre remonte. Et en fait, bien penser, pendant que vous redescendez, à récupérer la bannière, en même temps que vous descendez votre canne. Je pense que vous le verrez au niveau de l'appareil photo. Là, on tire. Et pendant que je descends ma canne, je récupère la bannière au cas où je prenne une touche à la descente. Et ainsi de suite. Hop là, je remets une montée. Je refais une descente. Là, remontée. Là, hop, il redescend. Je récupère ma bannière à la descente. Et ainsi de suite. Je vous remonte rapidement au moulinet. Mais comme vous voyez, voilà, rien de très compliqué. Je vous en parle souvent, mais il n'y a pas 45 000 animations. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, c'est une animation qui se fait avec des leurres souples, qui peut aussi se faire avec des lames vibrantes, avec des lipless, mais c'est principalement une animation qu'on va destiner à des leurres souples. Au moulinet, je vous remonte, on mouline, le leurre monte dans la couche d'eau, j'arrête, bien pensez à garder votre bannière légèrement tendue lors de la descente, mon leurre descend, je mouline, mon leurre remonte dans la couche d'eau, je lâche, mon leurre redescend, et ainsi de suite. Et là, je suis dans un herbier. Voilà, tout bête. Vraiment, vraiment, vraiment tout bête comme animation. Mais en tout cas, voilà, si on ne le sait pas, c'est pour ça que je vous l'explique. Si on ne le sait pas, il faut bien que quelqu'un vous l'explique. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite animation. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, à me dire si pour vous, j'ai oublié quelque chose, si pour vous, ça se fait pas comme ça. Voilà, dites-le-nous dans les commentaires. Je sais qu'il y en a souvent qui ont des bons conseils. Et ça permettra toujours à moi et à d'autres aussi d'apprendre, parce que c'est ça généralement qu'on fait le mieux à la pêche, c'est d'apprendre les uns des autres. Là-dessus, j'en ai fini. Nous, on va aller gentiment faire mumuse avec le drone. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.